Seigneur, j'ai l'impression d'avoir attendu ce bus 3 ans. Ici tout le monde, ici Lego Sonicraft qui est là pour vous mettre de bonne humeur. On se retrouve pour un petit épisode bonus sur Source Parallèle du Destin pour 2018 si vous voulez. Alors au cas où, par contre, j'enregistre si vous voulez pendant l'enregistrement en fait, le son de ma voix si vous voulez n'a pas été capturé, donc vous avez le son du jeu. Donc du coup en fait, là je suis en train d'enregistrer ma voix via mon logiciel de montage. Donc c'était un petit fail de ma part. Donc voilà, donc on va aller si vous voulez dans la carte où si vous voulez, j'avais prévu donc de faire les catanax en fait que composait le jeu. Mais genre il y avait tout. Et oui, vous voyez comme South Park, il est méga grand comme ville hein. Et du coup, ça fait, du coup voilà. Du coup donc on a la mission de Hal Supergay. On avait aussi la tribu de Raisin. Non, on avait la quête en fait de Monsieur Moustique qui était je crois à battre tous les filles du Raisin. L'autre en fait de Monsieur Adams, je crois bien il fallait coller les affiches. Et l'autre de... Je ne trouve pas, c'est de... Ah oui, c'est de Monsieur... C'est le père de Super Craig en fait qui nous demande d'aller chercher des yaoi. Ouais, 30 yaoi comme vous le voyez. Mais plus précisément, des fanarts. Et du coup, voilà. En fait, c'est ce que j'avais prévu en fait. Ça si vous voulez, pendant que je faisais si vous voulez cet épisode. Mais seulement... Vu que le mon Game Capture HD n'a pas, si vous voulez, capturé le son du jeu, et ben du coup je fais l'enregistrement via mon logiciel de montage Adobe Premiere Pro qui est par contre un côté positif, permet si vous voulez d'enregistrer sa voix, du coup c'est assez pratique. Ouais, donc là au cas où je suis dans les costumes en fait, je voulais voir en fait s'il n'y avait pas un autre meilleur costume en fait pour si vous voulez un peu ce petit épisode de bonus. Et vu qu'il y avait que dalle, c'est un peu problématique. Enfin, il n'y avait aucun goût quoi, moi j'aimais bien en fait. C'est les écouteurs avec les lunettes qui est genre futur et ma veste là, bleue avec l'éclair dessus. Du coup, ça avait bien mon titre de Lego Sonicraft. En gros, je vérifiais un peu partout. Hein. Genre les gants, tout ça, voilà. Bref, je faisais un peu la petite paperasse du coin. Voilà. Donc en gros quoi, je profite de vérifier tout, hein. Genre les lunettes, les coiffures, tout ça. En gros, un petit relooking. Mais vu qu'il y avait que dalle, il n'y avait pas grand chose. Bah il faut que je vérifie tout pour ça, en fait si ça allait bien, tout ça. Bien sûr, entre les coupes de cheveux et tout, je préfère garder la mienne car ça me ressemble plus, sinon au niveau des tâches. En gros, ça donne un certain style, mais je préfère mieux, mais j'ai préféré mieux garder un peu classe. Bref, voilà. Et là, je suis en train de vérifier au cas où, concernant, si vous voulez, mes artefacts pour voir, en fait, si je pourrais pas quelque chose pour faire une amélioration, voilà. Pardon. En gros, il y avait super plein, mais qui était magnifique, hein, qui était super bon, on est miam miam miam, hein. Et ça, c'est on déguste tout ça, voilà, miam miam miam. Et là, je profitais de voir quoi mes objets de mission pour voir s'il n'y a pas meilleur si vous voulez. Du coup, je suis en train de regarder tout ça, genre il y a tout. Bref, au cas où j'ai déjà récupéré deux chats, une poupée, il y a des feuilles, tout ça. Bref, ouais, donc j'ai fait un peu mon inventaire, on appelle ça. J'ai profité aussi de voir mes pouvoirs. Et du coup, en gros, ça change rien. Hein. Ils sont super bien de ma part. Mais sur ce coup Instagram, j'ai 1,4 million de j'aime, en gros de like, 2,7 millions de followers. Bref, quoi, j'ai acquis beaucoup de followers parce que, apparemment, je suis le like man. Là, et voici tous mes abonnés. Ah oui. Voilà, et du coup en fait ce que j'avais pris en fait c'est de partir à la recherche de ces chats et tout ça. Bref, au cas où c'était un merdier. Là au cas où, suite un peu à un petit cut que j'ai fait, suite à une ellipse donc. Ah oui, j'avais pas remarqué par contre qu'il y avait l'autre chat de la super gay, comme un con. Et du coup voilà. Bon là au cas où je fais appel à Super Diabète là pour
pour débloquer ce passage. Voilà, donc je vous l'appelle. C'est une belle journée pour avoir le diabète. Allez, hop, elle a facing pour lui péter la gueule. Il devient rocher. Et là, il soulève ce truc. Et voilà. Et donc là, on poursuit un peu, si vous voulez, notre aventure, donc, sur un peu, genre, le lac de ce parc. Ah oui, là, je crois même que j'avais découvert un truc qui était intéressant. Hop là, voilà, il fallait démolir cette neige, là, et il y avait du merdier. Voilà, donc, c'était un peu culal. Donc là, au cas où je fais ma petite tournée... Je ne trouve pas que ce justicier soit un bon exemple pour les jeunes. Là, je remets sur Rexune. Ah, ok, il y avait un homme crabe. Les hommes crabes, les hommes crabes. Vous n'avez rien à perdre à part une mauvaise. Ah, je savais même pas par contre qu'il me touchait. Là, d'accord. Ah ouais, et là par contre, là, vu qu'il y avait une affiche de Monsieur Adams, du coup, on l'appelle à boîte à outils. Là, hop, on le contacte. Et là, ensuite, hop, on appuie tout ça. Boîte à outils, toujours bien muni. On met le tout dans le cul et on va chercher la puissance. Et voilà. Carrément. C'est libéré. Du coup, on accroche le second post-it. Voilà. Ah, et en plus, il nous manque un. Et là, je remets en fait qu'il y avait un petit truc là, mais je sais du tout pas comment l'ouvrir. J'étais dit tout. J'étais un peu tapé des dessus. Que dalle. Ça s'ouvrait pas du tout. Du coup, voilà. Bref, là, si je commence à te bloquer un peu comme un con, alors qu'il fallait aller carrément à gauche. Voilà, par là. Et là, je reviens, si je fais un peu la petite... j'avais fait presque un gros détour. Bref, donc, voilà. Sting, pardon. Bref, voilà. Sinon, quoi, voilà. Ah oui, et aussi, je crois même que là, je commençais à parler, si vous voulez, de la Polymanga 2018. Pour ceux qui sont en Suisse, donc, il y a bien, donc, la Polymanga, qui est connue, donc, pour être dans le Japon et tout. Ah oui. C'est là où j'avais prévu un combat et tout, je pouvais me retrait dans le South Park, comme toi. Dans l'école de South Park, voilà. Donc, c'est là où, si vous commencez un peu à parler à la Polymanga, donc, il y a des moments, en fait, j'aurais pas de bégayer et tout. En fait, si vous voulez, concernant la Polymanga 2018, qui va avoir lieu, si vous voulez, à Montreux, et bien, si vous voulez, concernant les horaires, enfin les dates surtout, apparemment, donc il y aura donc du 29 au 30 mars et du 1er au 2 avril. Alors là, je suis en train de poser la question en fait, pourquoi ils ont choisi donc de modifier un peu, genre, cette date-là, ils ont plutôt mis ici, alors que si vous voulez, l'an dernier, quand j'étais pour la première fois, ben, c'était plutôt pendant la période de Pâques. Je crois bien, c'était entre le. Si je me trompe pas, c'était entre le 14, 15, 16 et 17 avril. Voilà. Donc là, bon, là, au cas où pendant ce temps, je pense monter avec l'homme cerf-volant pour aller chercher un yaoi. En gros, un client tarte. Voilà. Rien qu'à baiser. Voilà, donc là, c'est un peu l'humiliation. Et bien sûr, j'avais remarqué par contre qu'il y avait une petite feuille de Andrams là. Hop, et voilà. Donc là, c'est fait. Et du coup, on redescend. Allons-y. Hop. Donc voilà. Ah, mon costume d'eau, maintenant, à plus. Pendant toute cette période là que. Voilà, donc j'ai donné des informations supplémentaires pour la Polymanga. Et là, je commence un peu à vagabonder et tout, pour voir s'il n'y a pas d'autres choses, voilà, tout ça. J'ai profité d'aller voir rencontrer Monsieur Garrison, voyez. Ah oui, j'ai réussi à ouvrir le casier. Oh, des recettes. Oh, le costume de Twig. Non, pas de Twig. C'est de l'homme Dornan. C'est Token, à mon tour de m'éclater. Voilà, donc après, donc je suis allé dans la gym donc pour vérifier pour voir s'il n'y a pas d'autres merdes. Non, mais sérieusement, quand je vous dis, hein, pendant que je tournais et tout, et ben moi je croyais que ma voix a bien été capturée et tout. Mais quand je remarque au montage, en fait, c'est la deuxième fois que je me fail. Je voulais pendant mon let's play, si vous voulez, je remets que. Alors, je sais pas quel épisode c'était, mais en tout cas, je remets en fait là que ça part juste et tout. Du coup, c'était donc voilà quoi. Donc, le titre de l'épisode c'était l'épisode sans ma voix fail. Du coup, quoi, c'était totalement l'épisode quoi, il n'y avait pas ma voix et tout. Oh hein. Bref, c'était la merde. Ouais, et du coup, je remets que je suis sorti de l'école. Et normalement, si je ne me trompe pas, si je profitais d'aller voir. Ouais, c'est ça. Dans. J'appelle ça un peu le point continu, Community Center. Community Center. Le centre commercial. Voilà, c'est là où je profitais de vérifier tout pour voir s'il n'y avait pas d'autre chose. Mais je crois même que ce bâtiment, je crois même que je l'ai déjà fouillé.
dépecer les poubelles, tout ça. Par contre, j'ai remarqué que la souris, il fallait libérer Monsieur Hankink. Et du coup, voilà, je remets dans les autres choses, je remets que j'ai vérifié tout. Non, et j'avais bien remarqué par contre que, en fait, là, c'était bien un bâtiment que j'avais déjà fouillé. Bah, du coup, je ressors et je remets que je suis passé à la maison suivante. Du coup, voilà. Une seconde. Donc, je vais vérifier tout. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. En fait, je suis allé dans la maison de bébé, donc la maison rouge. Oui, donc là, on est chez bébé, donc. Et là, en fait, c'est où je commence un peu à fouiller. Vous voyez, pour savoir, en fait, il n'y a pas du loot, des choses là, en gros, qui pourraient m'aider un peu dans mes prochaines... Enfin, pas dans mes prochaines vidéos, mais dans les prochains épisodes, si vous voulez. Et là, je remarquais, par contre, que la case, c'était plutôt une sacrée chambre, hein. Vraiment, carrément, bien innové. Ah oui, c'est juste ça, et là, on a fait encore une fois de plus appel à boîte à outils. Allez, hop. Donc, on contacte les tours. Hop, 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 hop. Boîte à outils, toujours bien mis. Là, hop, il nous met le tuyau dans le cul. Et là, on va rechercher la puissance. Par contre, je vous avoue, ça fait un peu mal à l'analyse quand on fait ça. Voilà. Bravo. Et du coup, ça nous libère une sorte de carte. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, fouillons voir. Alors, apparemment, ça ressort bien si vous voulez la... De carrément genre le quartier de South Park et tout, enfin la ville surtout. Et surtout par contre, je me pose la question, c'est à quoi ressemble si vous voulez ces sortes de fleurs collées dessus. Alors je sais pas trop qu'est-ce que ça ressemble. En tout cas, c'est assez bizarre. En tout cas, dites-moi en commentaire en fait qu'est-ce que ça signifie tout ça, parce que là ça m'a fait beaucoup de poser de questions. Donc là, au cas où on monte, et je crois bien qu'on est allé dans la cuisine, on a rencontré le père de bébé. Là, hop, on fouille tout, parce que nous, on était au glaive. Bienvenue dans mon antre, petit. Bon, d'accord, c'est une cuisine. Tu te rappelles le Les blueberries sont là. C'était trop bien. Et qu'on fouille tout, et là, on a fait un selfie avec. Je t'ai vu à la télé. Beau boulot. Je devrais te suivre sur Instagram. Allez, toasté. Toasté. Voilà. Merci petit. On se... Voilà, du coup, on a donc profité un peu de vagabonder tout ça, voilà. En même temps, c'était il fallait fouiller. Et là, c'est où on est arrivé chez bébé avec Wendy Testaburger. Regarde mes nouveautés, elles sont extra. Une chose m'a surpris, c'est qu'elle était vendeuse. Enfin, c'était la boutique. Par contre, il y avait que dalle, hein. Que dalle. Bah, du coup, je profitais de vendre mes choses là, et je vous dis, ça m'a rapporté un sacré paltol. Et hop, allez, on vend tout, on vend tout. Bon, là, c'était un peu. D'abord, je faisais un peu le bouton mashing avant que de comprendre en fait là qu'il fallait mettre la quantité pour pouvoir ensuite tout vendre. Voilà, donc là c'était un petit côté un peu achat et tout. Du coup, vous voyez là, je fais augmenter la quantité pour tout vendre. Et là, hop là, la quantité présente. Pardon si je baille un peu, c'est pour moi un peu du réveil. Car si vous voulez, de base je voulais tourner si vous voulez à midi cet épisode. Mais seulement en fait, quand je me suis levé, il était vers 14h30. Du coup, je l'ai commencé à tourner vers les 15h et je l'ai fini à 4h. Donc voilà, donc là c'était le moment, genre vente et tout. Hein. C'était le commerce, voilà. Là, pour y rejeter tout, et là c'était les tissus. Et du coup, voilà. Tout a été racheté et propre. Alors à plus. Bon. Allez, donc quoi on a Wedding Testburger. T'as toujours des problèmes pour communiquer. Je et là, on lui fait un toastie avec elle. On devrait carrément faire un selfie. Allez, toastie. Wedding Testburger. Joli. Je
Je te suivrai peut-être quand t'auras une garde-robe un peu plus présentable. Ah oui, là je crois bien qu'elle a pas envie de nous faire un selfie parce qu'on n'a pas une garde-robe un peu parfaite. C'est ça, c'est sûr. Enfin, je vais vous jeter un peu sur la gueule, mais bon. Et du coup, ça fait tomber un yaoi. Et du coup, voilà. C'était l'épisode fail. Là, je crois bien qu'il fallait genre tout fouiller et tout. Voilà. La vache. En gros, c'était très fouillage. Ah oui, là, c'est où on a fait le défi des chiottes. Allez, défi des chiottes. C'est parti. Allez, maintenant, on va chercher la puissance. Donc, c'était... Voilà, comme ça. Allez, hop, tac, 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 tac. Alors, je vous avoue, c'était vraiment la galère totale, hein. Allez, hop, on met les gaz. Gaz moutarde. Et là, on met les gaz encore. Ah oui, ça, c'était vraiment dur. Et hop, là. Voilà. Bref, c'était... C'était un sacré casse-noisette, voilà. Voilà, par contre, vu qu'on a tout fouillé, donc, on est ressorti. Donc, voilà, hein. C'était là, on est sorti et tout. Je crois qu'on a profité de continuer et tout. Ah oui, et là, je vous ai parlé par contre d'un animé que je profitais de voir en fait pendant les vacances de Noël. Pendant la fête de fin d'année. Alors, qui se nommait Little Battle Experience. On aime jouer, on se bat pour gagner. Toujours aller plus loin. Il suffit d'un seul rêve pour tout changer. Oui, c'est cet anime-là que j'ai profité de voir si vous voulez pendant les fêtes de fin d'année. Alors si vous voulez, c'est un mélange un peu entre Transformers et Pokémon si vous voulez. Parce que c'est trois gamins vont essayer de sauver le monde. Qui courent un grave danger avec leur petit robot. Alors par contre, pour sauver, j'ai découvert si vous voulez un peu les premiers épisodes en français par... par la chaîne Manga Masters. Du coup là, je profite donc que là, vu que je me suis fait attaquer donc... C'est là où ça va chier. C'est l'heure du... Ouais, donc voilà quoi. Donc je profitais de modifier et tout. Disons que Little Battle Experience, je profitais de voir sur les 10 premiers épisodes en français, bien sûr là, sur la chaîne de Manga Master, enfin sur la playlist de Manga Master, où il y aura si vous voulez par contre le lien de la playlist en description, si vous voulez voir un petit tour en fait à quoi ça ressemble. Alors je vous avoue, hein, sur le premier épisode, quand j'ai entendu Eva, j'étais là en genre... What the fuck? Voilà. Bref quoi, ça m'a mis un énorme couac. Mais bon après, au fil des dès que je profite de regarder en fait la suite des épisodes quoi, c'est où j'ai commencé un peu si vous voulez à un petit côté m'attacher, mais bon. Ensuite j'ai profité de regarder si vous voulez presque le reste quoi, sur Anime Gate, et qu'il y a que les 10 premiers épisodes qui ont été postés bien sûr en français, alors donc j'ai profité donc de voir la suite sur Anime Gate, qui était par contre en version sous-titrage VF. Voilà, donc il y aura bien sûr le lien dans la description de Anime Gate, et bien sûr aussi il y aura, donc là, c'est l'heure du duel. Du coup, c'est là où ça va chier. Bref, voilà quoi. J'ai découvert cet anime, ça m'a plutôt impressionné, et du coup, voilà. Bon, là, ok, là, on est en plein combat, donc là, si on peut dire que ça va chier. Tu me l'as emprunté quand? Allez, hop, une petite attaque, bam, et là, je suis invisible. Je le sens bien ce coup-là. Donc on va faire appel au Kun qui va le saigner. Hop hop hop. Soy. Voilà. Et du coup, il m'envoie des shurikens à la gueule. Oui. Ça fait mal. Allez, Trudic. Et là, c'est où je commençais un peu à essayer de. En fait, bon, en fait, c'est où j'essaie en fait que les gars me frappent dessus pour gagner sous les. Enfin, pour remplir sur la chose qui est en haut à gauche. Non, pas à gauche. Qui est en haut de l'écran, en fait, pour pouvoir, si vous voulez, faire les attaques ultimes. Mais par contre, je suis tellement pété là que maintenant, les amis, maintenant, c'est du gâteau à faire. Hein.
Ça fait des chocs à pic. Et on ça, hop. Et bien sûr, vu qu'un 1 qui a été repoussé, donc, et voilà. L'heure de la justice maison a sonné. Et là, du coup, ça chie. Et là, l'attaque que j'ai utilisée, je crois bien, c'était Drill. Bon, là, comme je suis resté là, planté là, comme un pot, là, pendant que je parlais et tout. Alors que là, on est en plein combat. Bref, quoi. Et des tas de trucs que je parlais, mais que vu que ça n'a pas capturé quoi, bah, je suis obligé de, si vous voulez, de parler par-dessus, quoi. Là, c'est on se chauffe le petit café, les gars. Je le prendrai. Coca-Cola Light. Bon, bien sûr, quoi, les gars, ils parlent coréen là, alors que ce devrait être des japonais. Totalement con. Bon, là, j'avoue, là, je suis resté planté là quand même un peu. Ah oui, c'est là, je commence à faire le drill. C'est ouf que ton père ait été assez débile pour te prêter ses outils, boîte à outils. Au moins, j'ai un père. Voilà, du coup, là, c'est au tour du suivant. Et là, je crois même que je lui mets une branlée totale. Ouais, c'est là. Ça, hop. Je fais le tour à terre, je le frappe et je reviens à ma position. Coulerie en préparation. Et du coup, on le headshot la gueule. Bon, par contre, là, je... Là, en pire, si vous posez, oui, pendant que je tournais, je parlais et tout, mais là, j'ai l'impression que là, je reste planté comme ma peau, là. Bon, j'espère que vous savourez bien votre petit café ou encore votre Coca-Cola, parce que là, Mon Dieu. Ah, c'est là qu'on s'est intégré, ça. Oui, 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 oui. Mettons-leur une raquette pour la liberté et ses potes. Et voilà. Et du coup, on a gagné. Griffe du Ninja Katsé et en plus de la thune. Car ça, y a rien de mieux. Et là, j'ai atteint le level 11. Et du coup, ça m'a permis de faire plus de puissance. Du coup, voilà, voilà, voilà. Ah oui, c'est là où j'ai commencé enfin à faire le truc là de sur Chaos. Avec les mignons dans le cul. Hop. Et hop. On charge. Et on tire comme un fusil à pompe. Et voilà. Et du coup, ça a débloqué le garage. Voilà, hop. Donc, on a fouillé donc ce qu'il y avait. Ah non, j'ai pas valu ça comme un con. Oups. Du coup, je crois même que j'ai escaladé donc le toit pour arriver en haut. Hop, et là je remets en fait qu'on est arrivé en fait chez le truc du gars qui est fan, qui est vraiment très space opéra. En fait, ça ne fait qu'allumer en fait que la radio presque. Voilà, et là en fait on est chez lui, et là il est en train de faire la réalité virtuelle. Hey ah, sortez les phasers, ça va flamber. Par contre, vu qu'il veut pas répondre, bah là je fais un selfie avec lui. Un toasty. Ok, mais voilà, donc j'ai pris les choses et tout. En fait, tu vois même si je faisais tomber ces petits Pokémon. J'ouvre le placard. Space Opera. Gros Star Wars, Star Trek. Lui, il est dans le futur. Le futur. Et là, si on lui fait encore une fois de plus le défi des chiottes. Alors, c'est aussi 4 étoiles. Alors, hop, on cherche la puissance. Et on appuie. Allez, on tourne, alors ça c'est vraiment dur à faire, hein. Alors ça c'est facile, hein. C'est parce que là tu peux tourner, ça va. Mais c'est l'autre là où tu dois tourner dans le sens inverse. Ah oui, ça il fallait appuyer sur RT là, il fallait faire bao sur l'autre. On met les gaz. Ah oui, ça c'est compliqué parce que tu as les deux, parce que tu as les deux index au cas où là sur les gâchettes et t'as l'autre en fait pour tourner. Heureusement, on met les gaz. Ça c'est un peu la chance. Ah oui, celui-là, il fallait tourner et l'autre faire tac 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 tac. Et vu que c'est fait, eh ben il faut pousser. Et voilà, on l'a bien lâché. Et voilà le résultat. Et là, je crois bien, en fait, là, je profitais de fouiller aussi les autres. Ah oui, d'abord, je suis allé chercher chez des parents pour voir. J'ai remarqué une clé qui était accrochée. Hop.
clé de vitrine. D'accord. Du coup, voilà. Allez, hop. Et du coup, je suis allé... Ouais, donc voilà, quoi. Du coup, voilà, voilà, voilà. Bon, encore aussi, profiter de faire les fouilles et tout, là. Là, je vais vous amener au combat ultime. Je me rappelle. Tu te rappelles quand le commandant Riker... Après avoir combien libéré ce genre de trucs. Ouais, je me rappelle, maître dit que c'était... Voilà. Ah, aussi, j'ai découvert un truc, c'est là, c'est, c'est radiation test. En gros, il a foutu un truc dans le micro et du coup, ça a fait péter les plombs. Allez, hop. On va chercher ce rabot. On prend déjà ça. Et par contre, vu qu'il y a de l'électricité, et bah, du coup, on analyse. J'ai cru que je pouvais l'ouvrir, mais non. Du coup, hop, on va le chercher. Et ensuite, on fait appel à Chaos. Et du coup, j'avais oublié que c'était maintenir qu'il fallait faire. Et hop, on analyse. Et voilà. On appelle encore Chaos. Qui invoque Chaos? Oh, salut le nouveau. Allez hop, le mignon de le cul. Faut qu'on respire. Voilà le travail. On tire. D'abord, on attire. Et on pousse. Youpi. Voilà. Bye bye. Du coup, hop, on monte, on ouvre et on a découvert qu'il avait... C'était un space très cramé. Non mais qui fout des jouets encore dans le micro-ondes? Et du coup, on sort et voilà. Bon allez, je vais plutôt vous amener à l'ultime combat. Parce que je vous dis, dans les combats que je vais vous montrer, ça a bien chié. Elle doit avoir plus de caractère. Et à tout de suite. Pas trop, ou sa bosse des neiges va croire que c'est... Re. Au cas où c'est aussi. Par contre, avant que je vous montre vraiment le vrai combat, on va aller d'abord taper un peu ces petits sixièmes. Car il nous faut grave chier. Et ça, hop, et là j'ai réussi à le choper. Et là, ça va chier. Allez, au boulot. Déjà, d'abord. Alors déjà, pour commencer, c'est j'avance et je fais mon unité tap. Donc je fais l'attaque qui est pétée. Hop. Soy. Et du coup, ça les saigne tous. Jetez-le dans la poubelle à quatrième. Micro-accrétion. Vous voyez ça? Fuck on. Punch. Et headshot. Qui emmerdez maintenant? Pourquoi pas vous? Par en lui, il me rentre à la gueule. Merc. Arrête de déconner, Dégueulasse. C'est mon tour maintenant. Du coup, lui, il me rote. Enfin, il me rote pas, mais il rote encore la gueule Je sur l'autre. Que tu aimes l'odeur de mes rôles, c'est il fait assez chier. Heureusement, il décède. Là, on le voit. Là, hop, je vais le chercher, hop, et je le repousse. Ça, c'est pour sacrifier, enfoiré. Et là, je vais le chercher. Je t'ai coulé. Ça toc, et voilà. Merci d'être resté planté là comme une salope de Et là, il fait une sorte de wall walk, mon gars, mais les outils vont passer à l'action. Et là, je vais en train de faire un drill. Ah non. Ah ouais, je vais faire un coup de cuisine pour se la manger. Hop là! Faudrait voilà. pas que le gamin essaie ça chez lui! Ah, dégueu, mec! Voilà! Tout bien sur les gueules! C'est l'heure du médicament, les CM1! Mauvaise nouvelle, j'ai mangé des Et la souris, par contre, ils sont son truc avec du porn! T'es une grosse bouse! Tu m'en dois une Dégueulasse! Sérieuse. Oh. Bon, il est enseignement! Vas-y, à toi le nouveau! Et du coup, moi, je vais commencer, je crois bien le faire chier avec une attaque foudroyante! Hop, il se blanc. Et du coup, ça headshot carrément tous les deux. Ce qui est parfait. Essayez de suivre les autres. Et bien sûr, par contre, concernant lui, je profitais donc de faire cette attaque là. Donc, je vais faire le tour de la terre, pour shooter, et voilà. Et headshot. C'est plié. Et du coup, ça fait gagner des points d'expérience. Et voilà. Carrément plus de KS et tout. Et là je crois même aussi que j'ai libéré un truc tout ça. Donc là pour faire ça c'était assez spécial. En gros deux choses à faire. Déjà il fallait jeter un pétard. Ensuite jeter un paix. Hop. Et ça faisait libérer un petit peu. Bon ça faisait 2-7. Là j'ai fait retour arrière. Hop. Parce qu'il y avait l'autre. T'es fier de toi, du coup j'ai fait appel à Capitaine Diabète.
Et voilà donc, je le contacte pour qu'il vienne sauver ce truc. Quelqu'un a dit diabète ? Hop, c'est signe. Pétage sur la gueule. Du coup, ça le fait ranger. Et là, hop là, ça fait tomber le baril. Ma mission terminée, maintenant je dois partir. Du coup, je vais chercher. Hop, voilà, tac 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 tac. Hop. Donc, pétard épais, tu connais la recette. Voilà. Là, ça fait gagner un truc. Et bien sûr, pour tout s'arranger, hop. Et voilà. Et comme ça, ils ont vu que du feu. Et là, je remets en fait qu'il fallait faire une autre quête ou quelque chose du genre. Bon, allez, on passe maintenant au combat. Ah oui, aussi, je vais oublier. Quand je passais sur ce passage-là, il y avait un truc spécial qui était DLC Bus Stop. Donc en fait, ça met une sorte en fait de plein de missions en fait qui étaient intéressantes, comme le Drake du Danger. Dans le Drake du Danger, les joueurs doivent faire face à une série de combats. Ils débloquent des costumes et des objets ici. Le Drake du Toucher sera disponible en décembre 2017. Là, soyez un truc plus ça. Quand Tour Croustillant, donc Tour Croustillant, introduit une nouvelle aventure ainsi qu'une nouvelle classe de super-héros. Et là, il y avait aussi la nuit de la Casa Bonita. En gros, il y avait deux nouvelles choses qui seraient disponibles en 2018 donc et qui seraient très intéressantes. Et là, sous le chromage, si ça sort là, je pourrais bien faire quelques petites vidéos bonus sur ça. Et par contre, là, concernant Tour Croustillant, peut-être même au cas de faire un épisode 2.0. Donc là, si vous voulez, là, c'est à la 1.0. Et là, c'est possible que si c'est une suite de du Kune et sa bande, enfin, pas de c'est la vie liberté, ça va être l'épisode 2.0. En gros, tout un paquet. Bon, allez, je vous emmène en combat là. Ah, ouais, là, je vérifie où c'est. Normalement, ça devrait être ok. Bon, allez, au combat. C'est bon, j'ai réussi à trouver si vous voulez le combat. Alors, au cas où vous le débloquez, en fait, il fallait si vous voulez mettre en pause donc et débrancher en fait le radio truc. Le boîtier électrique était là-bas, si vous voulez. Et du coup, ça fait donc libérer donc les 6e. Alors, c'est toi aussi pour ce combat-là. Alors, posez vous voyez, je pourrais en fait faire. Enfin, une sorte de défi donc, où en fait, il fallait si vous voulez taper. Enfin. Il fallait mettre sous les KO en fait les 6e que avec sous les ultimes attaques. Et du coup, quoi, j'essaie de faire un truc en fait, c'est que les 6e ils me tapent pour remplir donc mon ultime. Et du coup, ça permet si vous voulez en fait de les attaquer. Alors, je vous avoue, sur la première. Alors, sur la première tentative, j'ai quand même échoué. Non, mais seulement quoi, j'ai réussi à faire si vous voulez ce que je voulais, mais par contre, c'est que j'étais mort tout de suite. Ouais, parce que en fait, je l'ai fait sur le dernier pote. Donc, du coup, voilà. Si vous cherchez le coup, là, c'est le deuxième combat que je fais. Et je vous offre par contre, celui-là, il a bien chier. En fait, c'était plus en fait. Il fallait. En gros, c'est. Je lui ai laissé en fait me patater la gueule. Pendant que moi, j'essaie un peu genre de survivre. Et je vous avoue, ça n'a pas été facile d'un côté. C'est mon tour maintenant. Je peux rien faire là. Voilà, comme une patate, il me rôde dessus. Quoi, mais j'ai des c'est bon, j'ai la place pour un hamburger. Bref, quoi, ils font tous des trucs dégueulasses. Voilà, ah ouais, je sais que t'aimes ça. Dis-moi avec les doigts de la physique. Voilà. Je le sens bien ce coup là, les mecs. En gros, j'aurais pas me faire dégueuler la gueule. Là, il m'envoie une glaire sur ma gueule. Ce qui est dégueulasse. C'est parti. En gros, quoi, j'arrête pas si vous voulez sauter mes tours, quoi. Et du coup, ça faisait dégueulasser. Vous êtes du genre bagarreur. Ah. Hop. Merde, il est à terre. Par contre, voilà, il y a Timmy qui est mis KO. Donc, Jamie, c'est Jamie, nom de Dieu. Putain, je confonds toujours des deux. Du coup, là, je ressuscite. Non, mais je confonds toujours entre Timmy et Jimmy. Coucou, Jimmy, c'est celui qui est en bikini, alors que Timmy Lee, c'est celui qui est en chasse roulante. Prêt à laminer l'ennemi à la vitesse du saut. Par contre, vu que j'avais plus de points de vie, du coup, hop, miam miam. Voilà, je me redonne quelques points de vie supplémentaires. Comment refuser de latter des CM1? Alors, lui, il me rote la gueule. Donc, ça me met des goûts, tout ça, bref. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, il battait la mort, du coup j'ai l'ultime qui est prêt. Par contre, vu qu'il a été tué, donc j'ai fait retour arrière. On prendra soin de ton tour. Donc voilà. Et du coup, j'ai décidé de mettre saignement à lui, je crois bien. Ah oui, j'ai plutôt décidé de refaire. Hop, et voilà. Merci d'être resté planté là comme une salope de biche devant mes phares. Il n'y aura pas un surveillant de récré pour nous sauver, les CM1. Ah oui, ici le. Oula. On essaie simplement non, il fut par contre que...
à la boulette. Ah oui, c'est vrai, merde. Vu qu'il y avait. En fait, je voulais utiliser. Excusez-moi, mais je dois pisser dans un ballon. L'ultime sur boîte à outils, mais vu qu'il était déjà mort alors qu'il a passé son tour, voilà. Ah oui, du coup, là, c'est. J'ai utilisé l'attaque qui est. Mario. Zyphon. Touch. Oh, par contre, je suis mort en manteau. Du coup, il restait que Jimmy. Là, on le voit. Du coup, lui, je le finis. Ça se passe exactement comme je l'avais fait. Et vu qu'il restait que lui, qui heureusement était trop loin, et bah, du coup, je le finis pour me venger. Et hop là, voilà. J'ai battu 6ème, malgré que 3 portes sont mises par terre. Je suis content que vous ayez été là pour regarder. Et du coup, voilà. Bref, donc voilà. Hein. C'était une attaque, je veux dire, négative, mais bon. Quand même, j'ai le point positif, c'est que j'ai au moins survécu. Hein. Ah oui, du coup, il y a même un petit cadeau. Voilà. Sinon, voilà. Bref, je continue de faire, ma poursuite. Ah oui, j'ai dû par contre un nouveau. Ouais, un nouveau. Pas, bah, je veux dire, checkpoint, mais bon, je veux dire. Un autre point de transport. Nouveau, je t'emmène où? Donc, j'ai demandé en fait qu'il m'emmène. Oui, qu'il m'emmène, oui, qu'il m'emmène là. J'ai Trade Bro. C'est génial. Voilà. Et je remets en fait là, c'est où je commençais à faire un second pas, mais c'est aussi là qui était vraiment meilleur et qui était parfait pour conclure. Ouais, donc moi je croyais qu'il allait y avoir un petit combat chez Tugbo, mais bonjour, non, chez Tugbo, on ne fait pas le combat, on savoure le petit café et on se détend tranquillement. En gros, en fait, il n'y avait que dalle. Du coup, je suis sorti. Et là, je promets qu'on va aller battre les mignons du Chaos. Moi j'appelle ça les sbires. Allez, et là c'est l'heure du duel. Faut faire la fierté du maître. Et du coup là, si on a donc j'ai décidé de me rapprocher un peu. Un cosplay des Crados. En gros, en fait, c'est je me rapprochais, il me tape sur la gueule pour recharger mon ulti. Rentre chez ta mère, abruti. Micro-agression. Qu'est-ce que tu dis? POM. Et là, il m'envoie du shuriken à la gueule. Putain, et là, j'ai décidé de m'approcher un peu. Agenouille-toi devant KO, misérable. Oh, bien sûr, il m'envoie des disques, tout ça, voilà. T'aurais pu la bloquer, cette attaque. Bref, c'est le combat. Et là, c'est drill. Vous devriez travailler votre chorégraphie, cosplayer, vu l'immense. On va vous mettre à l'envers. Là, il m'envoie des patates de la mort, quoi. T'as assuré les trous duc. Et là, sous des idées de m'approcher un peu plus. Bon, autant finir vite. Bon, par contre, là, il a failli me faire finir, donc là, j'ai eu de la chance. Donc là, sous des idées de lui redonner des points de vie. Allez, hop, mancha. Oh non, c'est pas fini. Et voilà, du coup, ça a recharger les points de vie, parfait. Tu ne peux rien contre mon maître. Du coup, là, il m'envoie toujours des trucs, tout ça, au gros, je me fais taper la gueule, tout ça. Faut pas déconner avec ma boîte à outils. Avec moi, tous sur ces enfoirés. Entrepille. Arrête de déconner. Après, là, je me fais méga mal, je vous avoue. YOLO. Par contre, là, il m'envoie vraiment des pattes de la mort. Ça me chier. Éclate-la, gros duc. Par contre, là, vu que j'ai l'ultime qui est prêt, j'ai décidé de laisser le tour à boîte outil. Mais par contre, là, je me fais vraiment brûler les couilles. Starting block. Pour ça, je pourrais le faire au cas où sans la taille de One Go Fast, mais bon, j'ai plutôt laissé ça à boîte à outil. Le chaos et la folie. Par contre, retire-toi arrière car il allait le finir. Et voilà.
Tu ne méritais pas de toute façon. Le cône va laisser sa marque. J'ai vraiment vu faire ça aussi avec le cône, mais bon. Aux ordres du désordre. Prendre au chaos, c'est... Il m'envoie des déchets, c'est ça, j'ai le team qui est pas du tout. Je suis prêt à envoyer l'équipe pour nous, les mecs. Allez, maintenant, qu'il goûte ça. Bon, par contre, là, je suis chez. Par contre, il arrive pas vraiment à mettre à combustion. Et par contre, il me finit avec des coups. Dans sa face. Voir pas ce coup là, en flûte. Et surtout, j'ai pas décidé de me faire comme ça. Surtout, j'ai décidé de faire aussi mon attaque ultime. Du coup, je profite de manger un bon tacos. Allez. Le tacos. Voilà, c'était un peu mon petit goûter. Par contre, je me brûle encore les boules, ça fait mal. Par contre, j'ai décidé un peu de finir, mais je profite des équipes qui tapent sur la gueule. On a eu un seulement héros. KO. Le coup n'est aux aguets. Par contre, c'est où j'ai décidé donc de réanimer. KO, s'assure. Voilà, donc j'étais tout seul, le problème. Par contre, je me fais vraiment taper à la gueule. Place au désordre. Et là, on va encore combustion. Le chaos est sur toi. Bref, quoi, je me suis vraiment liquidé et j'essaie en même temps de survivre. Cogne quelqu'un pour le coup, du petit trou. Allez hop, encore un tacos. Délicieux. Par contre, je me brûle encore les boules. Le chaos est inéluctable. Là, on va encore ces shurikens sur ma gueule, tout ça, blablabla. Incline-toi voilà. Devant le chaos, tu le regretteras. Par contre, heureusement, j'ai cru que j'allais finir, mais bon. Enfin, j'ai cru qu'il allait finir, mais non. Heureusement, j'ai survécu. Sinon, c'est la mort. Et heureusement, j'ai décidé de me prendre encore un tacos. Ah, nom, nom. Les tacos, c'est bon pour la santé. En plus, ça redonne de la bonne vie. Et là, vu que j'avais l'ultime qui est prêt, et moi, j'ai décidé de me garder pour plus tard. Par contre, heureusement, j'ai pas fait de faire retour arrière pour garder mes points de vie. Dis au revoir à ton tour. Bouleversement. T'en fais pas de nouveau. Et là, vu que j'ai l'ultime qui est prêt, c'est là où ça va chier. Heureusement, lui, mon vacuumation. Ça arrive au plus rapide d'entre nous, le nouveau. Et là, c'est où c'est à mon tour. Allez, c'est parti. Mario, Zyphon. Par contre, vu qu'ils étaient pas finis, quoi, ben, c'est jeté un peu dans la merde. Et voilà, mort comme une grosse merde. Ouais, mais bon, le truc positif, c'est que j'ai réussi à faire les deux attaques What the fuck parfait. Bien sûr, avec mon petit montage de qualité. Mais bon, voilà, j'ai presque tourné pendant une heure dans cet épisode, donc j'ai décidé un peu de m'arrêter là. Et c'est où par contre, bon, pour éviter de me faire chier avec ce chemin pour éviter que ce soit trop long, donc j'ai décidé donc de prendre le... Qui peut tenir tête au chaos ? Personne ! Le Jimmy Express ! C'est une victoire pour le chaos ! Non, pas le Jimmy Express, Jimmy Express. Du coup, j'ai décidé donc de retourner dans ma chambre pour clore cet épisode. Voilà. T'as besoin d'être... Voilà, donc je me ramène là, hop. Vite. Voilà. Du coup, hop, je suis arrivé ici. Par contre, j'attends de me demander en fait quelle maison c'était, mais en fait, ma maison, c'était la rouge et non pas la brune. Du coup, sur quoi il y avait un ninja coréen qui me poursuivait. Heureusement, je lui suis pas faire de combat. Voilà. Et du coup, là, c'est où je suis arrivé, ici. Hop. Et voilà. Et bien sûr, je pourrais pas éteindre le game show. Voilà. J'ai profité de voir encore un dernier truc concernant ma boîte mail. Profiter de voir ce qu'il y avait là-dedans. Que dalle. Attends, boîte mail.
Donc un nouveau message. Et bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc n'oubliez pas donc de liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas aussi de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, aussi concernant si vous voulez les prochains SP que je pourrais faire. En fait c'est un SP jeu vidéo Lego. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse Lego Batman, Lego Indiana Jones ou Lego City Undercover. En gros c'est trois jeux Lego que je vous propose hein. Alors dites-moi en commentaire lequel vous voulez que je fasse. En gros comme prochain SP. Je vous laisse, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.